une photocopie de... Non, mais on peut trouver la... On peut trouver l'article, la... oui, bien sûr. On peut trouver le journal. On peut trouver le journal. Non, mais ça, je crois bien. Facile, mais naturellement, il y a des choses qui restent dans ma tête, hein, qu'on n'oublie pas. Et ça, je peux vous dire, je me rappelle certaines choses, mais pas au fond. Ouais. Ça, moi, j'étais le premier journaliste turc qui a pu entrer en Albanie, même de l'Occident, parce que c'était très fermé, parce qu'il y a un match entre. Une équipe, je pense que c'était Fenerbahçe et une équipe albanaise. J'ai photographié aussi le match là. Je suis une dizaine, je suis entré une semaine avant en Albanie. J'ai commencé à, naturellement, avec on a contacté les gens officiels. J'avais toujours deux guides avec moi, ils ne me laissaient jamais, mais. J'ai trouvé des moyens de circuler et voir, parler quelquefois avec les gens, mais on parlait, parce que les gens, ils ne parlaient pas beaucoup de langue, ils avaient peur aussi, beaucoup de peur. Mais il y a des choses que je n'oublierai jamais, et j'ai pleuré le jour où j'ai quitté Albanie. J'ai vraiment pleuré parce que c'était catastrophique, il y avait des gens qui étaient là depuis 40 ans. Depuis 20 ans, depuis 45, qui n'avaient pas eu leur mère ou leur père, qu'ils étaient en Turquie, ou le vice-versa, le fils était en Turquie, le père était en Albanie, et eux, ils étaient venus avec l'équipe, et ils partaient après pour dire on ne se verra plus jamais encore. Ils sont vus 30 ans après ou 25 ans après, et ils partaient en disant je ne verrai plus jamais mon père, ma mère ou mon fils. Ça, j'ai dit comment on peut arriver là. Mais comme j'avais connu déjà le pays communiste, je savais qu'est-ce qui se passe dans le pays communiste. C'était pas une grande surprise pour moi. Mais c'était très douloureux parce que je me sentais un peu plus proche d'Albanie que de Tchécoslovaquie, Hongrie, etc. Et comme ils étaient venus avec nous. Et j'ai rencontré aussi des gens que moi. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup, parce que déjà personne n'osait parler. Et nous, naturellement, on voyait, ils nous ont montré les choses qui étaient bien. C'est-à-dire, mais à son rang, les choses qui étaient bien, c'était qu'il y avait un grand avenue. Il y avait l'ambassade de Russie qui était laissée à moitié, et après. Il y avait le fameux chinois, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'être là quand l'Albanie était fâchée avec les Russes. Alors il y avait le premier dans le mur, il y avait la première caricature de Tito. Les Albanais ils détestaient Tito et aussi les Russes. Alors il y avait les Chinois que j'ai pu photographier, les Chinois à Tiana, ouais. Ça pour le premier voyage. Dans le deuxième voyage, j'ai photographié la frontière électrique qui était barbelée, etc. Et c'était assez dangereux, mais j'avais arrangé, on passait par le bus. Il y avait naturellement des gardes dans le bus, il y avait des gardes albanais. Il y avait 3-4 qui étaient assis. Alors moi, je dis, le moment où on va passer, j'ai dit, vous montrez tout ce qui chante, qui monte en haut, comme ça je photographie, eux ils n'ont pas vu. Et j'ai que des articles qui n'étaient pas contre l'Albanie, parce que c'était la première chose. C'était triste de ne pouvoir pas parler de au moins, dans les autres pays, il y avait encore la possibilité de parler avec les étrangers. En Albanie, il n'y avait même pas ça. C'était comme en Chine.
En Chine, on ne pouvait pas parler avec les Chinois. C'était interdit et ce n'était pas possible. C'était aussi en 1965. C'était la même chose. La Chine et l'Albanie, c'était la même chose. On n'avait aucun contact avec les gens. Et en Albanie, c'était la même chose. C'est-à-dire, ils m'ont montré naturellement quelques. Je suis allé à l'université, l'Institut de musique, etc. Là, j'ai pu parler avec quelqu'un, mais avec un traducteur, quelque face. Mais. Il y a d'autres questions, je peux répondre. C'est bien aussi comment c'était avec l'interview que vous vouliez faire avec Angaroja à l'époque. Oui, mais ça c'est la deuxième fois. Deuxième oui, je n'ai jamais pu oui. Avoir. Après, vous ont donné le papier. On a longtemps et on a demandé des questions, etc. Aujourd'hui, demain, après. On est parti sans avoir l'interview. Je l'ai vu à Roger au Parlement, ils nous ont amené au Parlement. Ils vous ont donné le bulletin de. Oui. Les bouquins. Oui, en disant que toutes les réponses. Ça, c'est la réponse. Les ouais. réponses, c'est là-dedans. Ouais. Des choses officielles, oui, la propagande officielle. En tout cas, je sais que c'était dur même pour les diplomates parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Hein. Il y avait des gens qui ont eu des crises. Parmi les diplomates, parce qu'ils n'avaient pas une vie, ils n'avaient rien, ils ne pouvaient pas. Surtout s'ils n'étaient pas mariés, etc. C'était fini. Les souvenirs du match entre la Turquie et ça, c'est comme un sujet de fiction. Ouais, mais vraiment, là maintenant. Ça, c'est vous m'arrivez encore. C'était la statue, mais de plein. Mais il faudrait que. C'est dommage que vous me demandez parce que je ne sais même pas le résultat maintenant. Qui a gagné, qui n'a pas gagné, parce que ce n'était pas mon intérêt. Hein. Mon intérêt, c'était. Ah oui, c'était de sortir les films avec moi. Et oui, ça aussi, c'était catastrophique parce que je suis allé à. Oui, on m'avait dit que fais attention. Les films que tu fais, ils vont sûrement venir ouvrir. La frontière. Ouais. Alors j'ai dit, bon, j'ai laissé à l'hôtel, mais je mettais des petites choses pour voir si quelqu'un a touché. Et je l'ai vu, c'était touché. C'est-à-dire que quelqu'un avait regardé. Après, j'ai pris avec moi tous les films, je n'ai jamais laissé à l'hôtel. Mais quand je suis allé à Munich à développer les films, les premières 12 films on a développé, il y avait 8 films qui étaient tout noirs. C'est-à-dire, ils avaient ouvert et fermé. C'était foutu. Alors j'ai dit, catastrophe, je pensais que tout était comme ça, mais heureusement, plus que la moitié, j'ai pu sauver plus que la moitié. Ouais. Ouais. Je me souviens très bien une photo que vous m'avez montrée dans le grand boulevard à Tirana. Vous avez fait une très belle photo deux mecs de la sûreté avec le revolver. Alors là, ils sont venus parce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça, que je faisais cette photo. Et nous, on était en train de partir, quitter l'Albanie. Ah, il a voulu arrêter tout le bus, tous les gens, etc. On a eu une grande discussion, le guide, les autres, comme ils n'avaient pas vu ce que je photographiais, ils ont dit non, je n'ai pas photographié. Alors c'est passé comme ça, mais j'ai eu beaucoup de peur. Ça, c'était la première chose, témoignage qui montre la terreur dans la ville, que les gens. Là, maintenant, naturellement, il y a des pays. Des gens qui portent des revolvers, mais en Albanie, c'était pour la première fois, on voyait vraiment qu'il y avait des trucs. C'est que ce marqué aussi, c'était d'un côté, il y avait les étudiants qui avaient
une bonne éducation, etc. Mais de l'autre côté, le peuple était pauvre et assis sur le trottoir. Et naturellement, j'ai vu aussi toute l'histoire de religion était foutue. L'église s'était fermée, ou ils sont devenus casinos, ou le mosquée était fermé, etc. Ils avaient fini avec la religion. Mais quand même, quand j'ai écrit mes articles, ils n'étaient pas très mécontents. Ils m'ont laissé encore une autre fois donner un visa. Je suis retourné encore une fois. Cette fois-ci, là, vraiment, comme pour faire un reportage avec un autre journaliste millier, Sami Cohen. Peu d'eux, ils nous ont donné une semaine de visa. On est allé, on a fait une deuxième fois. Seulement une semaine. Seulement une semaine. Ouais, deuxième fois. Ouais. La première fois, moi j'ai été, je pense, 10 jours. Ouais. C'est déjà une semaine, vous avez fait beaucoup de choses. Mmh. Non, mon reportage était paru beaucoup partout, surtout. La première fois, c'était paru en Italie, dans le journal Europea, qui était un des plus grands journaux politiques, magazine. J'étais content quand j'ai vu la parution. En France, c'était paru dans le journal catholique qui s'appelle La Vie. Mais c'était un journal socialiste, c'est-à-dire du côté, ils sont catholiques, mais du côté socialiste. C'est pour ça qu'ils ont publié 4-6 pages. D'autres choses? Moi, c'est vachement intéressant tout ça, mais on n'a pas envie vraiment de vous perdre beaucoup de temps avec nous, parce que... Tu peux peut-être monter à l'agence. Oui. On va filmer un petit peu à l'agence. Les archives, tout ce qu'il a gagné à l'agence, tout à fait. En plus, on voit aussi les tableaux d'Omer Kaléchi, c'est une question. C'est un grand artiste et c'est pas seulement un grand artiste, mais c'est un grand bonhomme, un humain extraordinaire, un type extraordinaire. Vous devez aller filmer, je sais, vous allez filmer dans son atelier. Oui, on va.